Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sur le lait de fouet avec nos petits chats trop trop mignons. Oui, t'es mignon. Et nos vaches, nos chevaux, on a plein d'animaux, on a des chiens. Donc j'ai un peu avancé depuis la dernière fois, hein. J'ai fait deux îles en plus, comme vous pouvez voir. Alors ici il y a elle, avec un petit océan au milieu, assez sympa. Voilà, la deuxième île là-bas. Ça descend assez sympa ici. Donc voilà, c'est sympa. Là-bas, il y a l'autre, celle qu'on avait faite la dernière fois. D'ailleurs, nos arbres partent à moitié de l'eau. Je trouve ça assez sympa. Là, j'ai fait elle, j'ai commencé à creuser entre les deux. Et j'ai mis un peu d'herbe sur le haut. D'ailleurs, on va se faire un peu de JMod 3 rapidement pour voir ce que ça donne. Open to line, allocate, slash JMod 3. Je l'utilise juste pour vous montrer, hein. Voilà, donc je trouve que ça rend assez bien. J'ai aussi amélioré un peu la montagne là-bas. J'ai commencé à faire le bas, donc comme vous pouvez voir, ça commence à rendre assez sympa en continuant d'épouser un peu la forme du truc, mais il va falloir la faire en genre monter assez haut. Ici aussi, bon, même si ici ça va prendre un peu plus de temps, et notre maison sera de ce côté au final quand on aura fini la montagne, mais elle me prend vraiment beaucoup de temps, je pensais que ça me prendrait moins de temps. De l'autre côté, j'ai aussi fait des villageois et j'ai déplacé nos villageois ici. J'ai donc supprimé le village qui était ici. Voilà. Et donc, je vais juste vous mettre un petit screen là maintenant de la version de la map. Comment dire? Avant qu'on la modifie complètement, avant qu'on la passe en herbe et ainsi de suite, au tout début de la map. Comme ça, là, vous pouvez voir que ça a bien bien changé. Faut juste que j'y pense au montage. Allez, donc maintenant, on va se retrouver pour se faire des petits withers parce que j'ai envie de placer un beacon au milieu de ce latch ici. Donc, you! Voilà. Bon, allez, sur ce, on se retrouve dans le Nether pour tuer les deux petits Withers. On va en faire deux, vous verrez pourquoi. Allez, à tout de suite. Et malheureusement, il y a un bug en 1.8.4 apparemment qui m'empêche de faire spawn un Wither. J'ai testé en multi, hein. Donc, ben, on le fera une autre fois, hein. Et on va tout de suite passer à ce que j'avais prévu pour la suite, donc ça fera peut-être un peu moins aussi. Je sais plus si ça se fait comme ça. Je crois qu'il nous faut du verre en plus. On va voir. Ok, ça doit être des dalles en bas. Et nous voici avec notre Daylight Sensor. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, on va pas aller le placer là-bas, hein. C'est un peu trop loin en souterrain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer là-bas. Cette île, on n'y ira jamais en fait. Et ça sera une île de décoration. Cette île, on ira. Donc sur cette île, il y aura quelques lampes. Mais vu que celle-ci, on n'y ira vraiment jamais, jamais. On va donc se placer un petit night sensor ici. Et on va maintenant faire un peu de redstone. Et oui. On va en fait
faire un petit truc là-bas. Bien sûr, ça c'était un peu évident. Pour éclairer notre île à certains moments, on va commencer par cet endroit. Surtout à partir de, je sais plus quelle heure dans le soir, mais genre j'avais testé ça en créatif. Trop de granit, trop d'andésite. Donc voilà, là bah, c'est bon, il va nous falloir des répéteurs. Un grand nombre de trucs comme ça, quelques torches. Beaucoup de trucs comme ça aussi. Et on va sûrement partir sur du bois de la jungle pour notre redstone aujourd'hui. Oui, on fait des bois différents à chaque fois, voilà, on est comme ça, on est simple. Enfin, on n'est pas très simple, mais voilà, quoi. J'adore ces arbres-là, franchement, ils rendent super sympa, donc le bitchon arrivera plus tard, hein. Le daylight sera caché plus tard. Voilà, je vais juste... Attendez. Il produit pas en dessous, mince. Ça, c'est bête. Il produit pas là non plus, mais... Ah, ça va être un peu embêtant. Ce qu'on va donc faire, c'est... Non, en fait, ça m'embête énormément. On peut vraiment pas. Relier ça, j'aime ça. C'est très très étrange. Bon, je vais aller vérifier à quelle distance il faut le mettre et il faudra placer notre système de redstone plutôt et voilà, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et donc, au final, je me suis plutôt mis là que là-bas, comme ça. Pour toi, il y a un zombie. Comme ça, on va pouvoir faire ça un peu plus de façon mieux, je pense. Voilà. Voilà, comme ça, là, on n'y verra presque rien, en fait. Sur la longueur d'onde, voilà. Alors là, il va falloir le mettre après 10. Alors, 1, 2, 3, 4. Singe. Six. Sept. Huit. Neuf. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, exactement. Donc là, on doit être à peu près à l'apogée de la nuit. Voilà. Et oui, on va le mettre à peu près comme ça. Et c'est à partir d'ici qu'il faudra que ça s'allume. Voilà. Donc ce qu'on va maintenant faire, c'est... remplacer nos murs. Oh, mince, 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 mince. Bon, bah.
Tiens, comme ceci. Hein? Allez, on va chercher notre redstone. Et voilà, donc voilà, je vais faire la liaison juste là-bas et on verra ce qu'on fera après. Allez, à tout de suite. Et donc en fait, en réfléchissant en même temps que je construisais ça là-bas, en fait, comme un boulet, eh bien en fait, j'ai réfléchi et vous allez voir. En fait, c'est tout, tout simple. Suffit d'avoir ça ici. Voilà. Et puis, ici pour le moment, il y a ça, mais après, il y aura un arbre. Donc, tout sera parfait. Et voilà où sera notre Daylight Sensor. Donc, 1, 2. C'est plutôt un Night Sensor en fait. 1, 2, 3, 4. Et 6. Non. C'est passé, c'est 10 qu'il nous faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Et 10. Et voilà. Donc après ces 10 petits, nous sert juste à mettre une torche, puis à nouveau une. Et là, on a notre générateur. Enfin, là, quand ça sera la nuit, ça nous enverra un courant pour allumer nos lampes. Bon, du coup, je vais le faire. Je vais placer quelques petites lampes là-bas. Je vais les relier. Et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite! Oh, mais cette île est bien allumée. Et si on va dormir, toutes les lumières de l'île se sont arrêtées. Voilà. Attention, voilà. Ici. Ah, tout s'est arrêté, donc c'est assez sympa. Ce qu'on va faire après, ça sera relier toutes les lampes de notre île. Donc pour le moment, il y en a beaucoup sur elle, mais elle sera un peu décorée. D'ailleurs, on va un peu y aller maintenant. Un peu faire de décoration sur cette île. Et après, on fera un petit pont. Enfin, on commencera en tout cas. Et on fera la maison la prochaine fois. Alors, en dehors de la terre, moi, j'ai beaucoup trop de terre. Bon, en même temps, je l'utilise sur l'île, donc ça devrait aller, mais bon. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est... Ah oui, aller chercher du bois. Je crois que je dois en avoir, oui. Voilà.
devrait nous suffire. On va se faire tchelcho petit tchadre. On en a tué 13, ah oui, quand même. Est-ce qu'il nous reste du bois? Oui. Faudra peut-être qu'on se fasse une ferme à bois un jour ou l'autre. Mais bon. Oui, ça c'est un peu bête par contre. Voilà. Et quelques sièges, on va aussi se prendre. Vous allez voir. Ça, on n'a pas besoin de faire. On va faire des petits bancs assez sympas, je pense. Assez sympatoche. On va aussi se prendre un peu de bonne mille. Voilà. Pardon. Voilà, de la bonne mille. Et bien sûr. Quelques petites enclumes pour les bords de notre de nos bancs. On va voir ce que ça va donner. Alors. On va peut-être s'en faire un petit ici, oui. Est-ce que ça rend bien? Ouais. Ça peut le faire, ça fait un petit truc à ajouter d'un banc. Donc vu qu'on a dû faire infini avec la ferme à faire, ça peut aller. Là, on va en faire un deuxième petit. Ici, un autre. Et bien sûr, ici. Voilà. Ça nous fait quelques petits bancs assez sympas. Maintenant, on va peut-être aller se chercher quelques petites plantes. Qu'est-ce qu'on aurait? Pardon. Qu'est-ce qu'on aurait comme truc assez sympa en plantes? Quelques petites roses, peut-être. Où sont nos plantes? Sûrement pas là-dedans. Là, non. Ça, c'est notre Arjuna clé. Ah, c'est vrai, ils sont à. Nos plantes en plus sont à. Au biome Mesa, j'avais complètement oublié. Faudra d'ailleurs détruire un peu les trucs en plus sur la ferme.
Voilà. Ici. Voilà. Là et là. Ici. Et voilà, c'est assez sympa, je trouve. Pour le moment, on va peut-être en mettre un peu plus, des petites comme ça. Surtout dans les petits coins des arbres. Ici. Ici. Et notre. Ben non, pour le moment ça va. Ouais, c'est assez sympa là, comme petit coin de verdure. Et au final, notre bitchon sera sûrement à peu près ici. Ouais. Le mieux serait de réussir à le mettre là, mais là, sinon on aurait là, mais ça serait face à ça. Ici, pareil, ça serait face à ça. Ici, ça serait entre cette pointe et cette pointe. Ça serait peut-être assez sympa ici. Ouais. On va faire un petit trou, pour marcher bien l'emplacement. Pour bien marcher l'emplacement. Plutôt. Et ça va faire un épisode un peu plus court en fait aujourd'hui. Genre, si je veux vous sortir un épisode cette semaine, je dois le faire maintenant. Et malheureusement, j'avais prévu plus de choses avec comment dire, le Wither et ainsi de suite, mais j'ai pas pu faire. Pareil pour la montagne que j'avais prévu de finir. Peut-être le la semaine prochaine, hein? Et donc voilà, notre île commence à être assez sympa. On fera des ponts. Mais le problème, c'est qu'avant de finir, avant de faire le pont, faut faire la pointe de cette île. Vu qu'absolument toute l'île va être terraformée, en fait. Pareil, il y aura une montagne au milieu, voilà. Des trucs assez sympas, avec des beacons un peu partout pour signaler les endroits importants, on va dire. Pardon. Je suis un peu malade. Voilà, faudra que je détruise ça d'ailleurs, mais je trouve que la montagne commence à un peu s'améliorer. Et pour finir assez bien l'épisode, on va se retrouver en J-Mode 3 et en. Et avec un peu de. Comment dire? Et avec les shaders, voilà. Allez, sur ce, à tout de suite. Et donc, on se retrouve devant ce magnifique lever de soleil. Alors, je me suis permis de changer un peu l'heure rapidement. Et l'île commence à rendre vraiment fabuleux avec des shaders. En plus, là, on a les rayons du soleil entre les palmiers. Voilà. Notre ferme aussi qui rend assez bien. D'ailleurs, il y a les reflets des rails. Les vaches ici. Le palmier qui a vraiment une ombre très grande. Assez sympa comme ça, là, avec le soleil à moitié coupé par ça. Et ce que je voulais aussi voir, c'était la montagne là-bas, qui, je pense, peut rendre vraiment super sympa avec le soleil en contre jour. Les bottes clignotent un peu sur cette version, hein. Voilà. Ouais, ça rend bien. Bon, elle n'est pas totalement finie non plus, c'est le problème, hein. Mais même dans l'eau, elle rend assez bien. Nos petites îles, ainsi de suite, nos petits trucs à neige. Mais vraiment,
Ce que je trouve le mieux, c'est pour les palmiers. Voilà. Qui rendent vraiment super bien. Si on passe en night, je me permets de faire ça pour les besoins de la vidéo, hein. Voilà, donc ça met un peu de temps à s'actualiser, on va voir. J'ai juste envie de voir. Donc c'est marrant parce que ça fait un peu un cercle sur l'île. Regardez, vous allez voir. Si on se met là, on fait 15 000. Youhou! Et désolé, le Minecraft qui a fait un petit out of the memory. Alors, ce que je voulais voir, c'était time. 7, 0. Voilà, j'adore pour les petites lumières. Je trouve ça assez sympa le temps que ça se propage. Donc voilà, les palmiers au début. Donc là, je suis en médium. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus les rayons du soleil. Et si on se met en 15 000. Ouais, ça rend super bien. Je pense qu'on va faire en même temps le petit stream de l'épisode. Juste, on va se mettre en... Et donc, voilà, maintenant que ça réussit, on se retrouve pour la fin de l'épisode sur ce magnifique paysage. Avec un petit F2 pour la miniature, j'espère qu'il est passé. Voilà. Et ça rend vraiment super bien ce paysage, je trouve. Avec l'eau, bon, ici, peut-être qu'elle est un peu trop quadrillée. Ici, ça rend moyen. Mais alors, sinon, vu de loin, ce truc est vraiment magnifique. Pareil pour les trucs de nuit. Et là-bas, vu de nuit, ça rend comment? Si on se met à partir. Genre, si on arrive un peu de la mer. Ça rentre quand même super bien. Surtout quand il y aura les palmiers, l'éclairage qui se mettra un peu partout. Franchement, ça sera super. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre épisode sur. Le LP. Oh, je suis foué. Qui t'es pas beau. Est-ce qu'il y aura un petit animal? Eh, super! On a trash. Et donc, changer après un nouveau trash, on va se dire au revoir, mais sur la version normale, hein, ça ira peut-être un peu mieux. Hein? Avec nos petits bancs assez sympas, on se fera des chemins, on se fera plein de trucs, et au final, notre île rendra super bien avec des shaders, c'est ça, non? Bon, peut-être pas. Donc voilà, on fera des trucs assez bien. Surtout avec le soleil, ça rend super bien, mais la nuit aussi. Donc voilà, allez, sur ce, on va se dire à la prochaine pour un autre épisode sur le LP. Allez, bye! Bye. Allez, faites des enfants. Aussi bien. Non, 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 arrête de courir partout, toi. Ah, avec un chien assis dessus, on peut quand même ouvrir un chauffe. Par contre, le collier apparemment est orange. Allez, sur ce, à la prochaine. Bye!